Bonjour, je me présente, je suis Sylvie Courchaine, je suis coach et j'active le pouvoir féminin tant chez l'homme que chez la femme. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aide les gens à sortir de l'ego, à sortir de la performance, à sortir du faire pour davantage se donner un élan pour s'affirmer davantage dans le cœur, dans la douceur et dans le plaisir et la légèreté. Mon message d'aujourd'hui est un témoignage que je veux livrer à Madame Lucie Manago. Lucie Manago, qui est la fondatrice des 7 paliers alchimiques de l'être. Les 7 paliers m'ont été présentés, moi, l'année dernière. Et c'est en janvier 2016 que j'ai débuté, moi, avec Lucie, jusqu'en juin, les ateliers de formation. Pour terminer en juin avec elle. Qu'est-ce que je vais livrer dans le témoignage? Avec quoi je suis arrivée au départ? Moi, je suis arrivée avec un bagage de vie qui a été difficile pour moi, avec un bagage de vie qui a marqué profondément ma vie par des expériences négatives. Je suis arrivée avec un bagage d'informations, moi, avec un bagage d'expérience, avec un bagage de cours, d'ateliers que j'avais fait. Pour me rendre là. Puis il restait toujours un résidu, comme je dis. Il restait toujours une traîne qui faisait en sorte que j'étais toujours en arrière, j'étais toujours dans le négatif, j'étais toujours en train de ressasser à un moment donné la même poutine. Et ce que j'ai découvert avec Lucie, c'est que on est motivé par des mémoires. Dans le fond, on est guidé par ces mémoires de vie-là. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, où ce qu'on a de la misère, malgré les apprentissages, malgré les cours qu'on prend, les ateliers qu'on fait, c'est que ces mémoires-là, ils nous ramènent toujours dans le passé. Ces mémoires-là nous tiennent en otage de notre propre vie. On est comme prisonnier de ça. Puis, on vient qu'on n'est plus capable de s'en sortir. On a beau faire, on a beau dire, on a beau aller chercher des ressources, on a beau tout faire. Puis, plus qu'on a une volonté de s'en sortir, ben plus on met en avant la machine pour que les choses changent. Mais par contre, on se rend compte que quand il y a un déclencheur, il y a une parole, il y a une expérience, il y a un visage qui fait figure de notre passé, paf, on y retourne. Ben moi, c'est ce qui m'arrivait. La différence avec aujourd'hui, après avoir fait les 7 paliers, ben beaucoup plus d'alchimie. Beaucoup plus de facilité dans ma vie, beaucoup plus capable de me poser, beaucoup plus capable de discerner. J'étais capable avant, mais seulement je sais que j'ai libéré un paquet de choses durant ces mois-là, qui font qu'aujourd'hui, c'est plus là. Puis les mémoires, tous les liens karmiques aussi qui nous rattachent à nos familles, qui nous rattachent à ce passé-là, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, donc on traîne ça dans cette vie-ci, puis ça ne nous donne rien de traîner ça, parce que ça nous empêche de nous réaliser dans notre vraie essence de vie. Parce que c'est ça le but, c'est de se retrouver au bout de ce nombre de mois-là, puis de se retrouver face à soi, puis de se retrouver face à notre propre essence, à notre propre véritable soi. Puis c'est sûr que ça ne se fait pas, ça se fait au fur et à mesure, ça se fait au fil des mois, au fil des ateliers qui passent. C'est sûr qu'aujourd'hui, ben, j'en ressors grandi de ça. J'en ressors avec plein de positifs. J'en sors avec une plus grande force. J'en sors avec une plus grande conviction. Puis j'en sors aussi avec le fait de dire, ben, toutes ces mémoires-là, ces liens karmiques-là, les pactes que l'on fait avec nos familles, puis c'est avant qu'on vienne au monde. Donc, ils viennent tellement nous bousiller notre vie, là. C'est pas possible. Donc, si j'ai juste un message à vous passer, à vous livrer, n'hésitez pas, allez-y, emboîtez le pas, puis faites-vous accompagner par Lucie. Elle a une expertise, elle a un bagage d'expérience, elle a un bagage au niveau professionnel qui est exceptionnel, puis je vous la recommande fortement et grandement. Et puis, si vous êtes encore dans l'hésitation, eh bien, je vous dis, plus vous attendez, ben, plus on laisse ce passé-là venir entraver notre vie, puis nous empêcher de prendre notre élan pour se réaliser complètement. Et en terminant, bien, si vous voulez en connaître davantage sur ce que je fais, vous pouvez toujours aller voir au www.sylviecourchaine.com et vous allez me retrouver. Merci.